vas regretter de nous avoir croisés. De nouvelles cibles? Enfin un peu d'action. Sonnez, nous en attaque. Thank you.
princesse de l'Académie. Bonjour, ça a été très long, mais ça y est, ce combat est enfin terminé, je suis désolé, j'ai passé 2 heures à chercher une solution, j'étais bloqué, ça y est, j'ai enfin trouvé. Bref, cette partie est terminée, je vous explique après pourquoi. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, déjà, bonjour à tous et à toutes. Je m'en fiche, mon pote. Je suis Arlis, bienvenue dans la suite de Animal Mutant Alice 2. Sachez qu'il y a eu 2 essais avant d'en arriver là. Il y a une raison très simple à cela, c'est que j'ai voulu aller dans la fin du jeu, c'est-à-dire... je prends ça, normalement je pense avoir pris ce qu'il fallait. Normalement j'ai tout pris, j'espère avoir tout pris. Parade et dispassion. Ça je m'en fiche, le reste, ok. Donc normalement, c'est tout bon. Ok, ouais, ça a l'air tout bon. Du coup, j'ai voulu lancer la bataille finale, sauf que, malheureusement, pour lancer la bataille finale, je suis obligé de faire cette quête, puisque il faut que je fasse cette bataille. Puis que je débloque normalement une discussion juste après qui va ensuite me débloquer un autre endroit qui va ensuite m'aider à débloquer la bataille du fort de la croisée. C'est compliqué la vie. Le mage de la tour n'a-t-il rien offert de valable ? Et vous pensez vraiment que les noms qu'ils portaient quand ils étaient humains affecteront leur nouvelle forme? J'en doute. Sachez que Kalatcha a raison sur ce point. Cela nous permettra de les rendre vulnérables. Et ceci fait, nous pourrons les vaincre. Vraiment? Montrez-les-moi. C'est moi qui les ai. Et je les garde pour moi. Ils n'ont été consignés nulle part ailleurs. C'est moi qui en détiens la seule et unique copie. Sage décision. Laissez-moi voir ça. Oui, ça peut marcher. Il y a peu de chance, mais c'est mieux que rien. Ces noms sont puissants et constituent notre salut dans cette guerre. Et vous savez vous en servir. Je peux le voir dans vos yeux et l'entendre dans votre voix. Je reconnais la langue dans laquelle c'est écrit et comment il faut prononcer. Je saurai m'en servir en temps utile. Et sachez que je suis seule à savoir le faire. Vous vous trompez. Les secrets de ces écrits sont tout aussi apparents pour moi qu'ils le sont pour vous. Ainsi, vous comme moi, nous pouvons nous en servir d'armes. Ce qui est mieux pour tout le monde. Ainsi, nous serons tous armés pour la bataille à venir. Fournissez-moi un parchemin où figurent leurs noms, pour que chacun de nous puisse s'en servir. C'est un travail pour Aldanon. J'ai mieux à faire que vous servir de scribe. Dans l'intervalle, je crois que le lieutenant Kana a réussi à localiser les ravageurs. À votre place... J'irai la voir pour que nous sachions quoi faire par la suite. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Ce qui veut dire, quand même, et le jeu est un petit peu... Disons les termes, le jeu est un petit peu pute sur ce point, c'est que si je ne fais pas la rencontre avec Sydney de la tour et que je ne la bats pas,
Vous êtes bloqué et j'étais bloqué jusqu'à la fin du jeu. Parce qu'en gros, il faut vaincre Sydney. Ça débloque ce dialogue qui nous dit donc que Kana a découvert là où se trouvent les Ravageurs des Ombres. Les Ravageurs des Ombres sont à battre pour obtenir le tome d'Elite Star. D'Elite Khazar plutôt, pardon. Et ce tome d'Elite Khazar va nous débloquer la bataille finale. C'est très compliqué, c'est même moi j'avoue que là c'était énervant. Et évidemment, aucun site n'explique comment faire. Personne n'explique. Bon, déjà je vais aller voir lui. Bienvenue à vous, capitaine. Vous avez trouvé ce qu'il faut pour contrer les Ravageurs des Ombres ? Excellent ! Nos éclaireurs patrouillent la région à la recherche des Ravageurs. Ils sont furtifs, mais nous en avons repéré un. Ils patrouillent avec un important détachement près du fort de la Croisée. J'indique sa position sur votre carte. Ce n'est qu'une position assez vague, alors attention à ne pas tomber dans un piège. Given pourrait nous aider. Il a déjà donné des conseils aux éclaireurs. Bonne chasse, capitaine ! Bah merci, mais tu arrêtes de gueuler s'il te plaît, parce que j'ai pas la motive là, que j'ai ma grande. Et heureusement que j'avais surtout beaucoup de potions, parce que je peux vous dire que ça m'a finalement pas mal servi. Alors je vais vendre vite fait. Épée courte 4, oui bah c'est très bien, allez hop, 15 000 dans ma... 15 000 pour moi, c'est épée longue, plus 3, parfait, hop, 8 000. Armure des décailles, nul. Des flèches, c'est nul. Ça, c'est nul. T'es aussi... Ah bah un anneau. Alors, identifié, fais voir. À l'autre pouvoir. Résistance aux dégâts, régène. Bah je garde, puis ce sera pour quelqu'un. Voilà, du coup. Est-ce que Aldanon, qui se trouve dans cette bibliothèque, va enfin pouvoir m'aider? Je vous ai coupé énormément de choses et peut-être que j'aurais expliqué. Alors non, ça va pas m'aider. Alors, les noms véritables devraient m'arriver. D'accord, ok, très bien, parfait. Donc maintenant je vais pouvoir enfin avancer dans le jeu, je l'espère. Je vous avoue que là je suis un petit peu salé. Mais bon, si c'est ce qu'il fallait faire, c'était franchement nul. Pouvez-vous m'amener au chemin extérieur? Et je vais reprendre mon équipe de choc avec Amanjiro. Transition vers la carte. Svaïr, elle s'enlève. Amanjiro vient. Kelgar vient, Nishka aussi, que j'ai fait passer de niveau, voilà. Et j'ai enfin accès, c'est pas trop tôt, au campement du Ravageur des Ombres. Vous vous souvenez de moi ? C'est moi qui ai ôté la vie à ceux du château de Pas d'Hiver que vous aviez juré de protéger. Vous auriez dû apprendre qu'on ne peut me détruire. Rendez-vous et je vous promets une fin rapide. Défiez-moi et votre agonie durera des jours. Vous pensez que cela fera une différence? Le rituel m'a délivré de tout rapport au misérable à la mortalité. Au château de Pas d'Hiver, vous aviez le double avantage de la surprise et du surnombre. Ici, ces avantages sont miens. Il va me falloir du temps pour déclamer le nom. Protégez-moi tant que je n'ai pas fini. Ou la bataille est perdue. Ah yes, trop bien. Et heureusement que la pause existe. Donc du coup, moi... Tu vas regretter de nous tac, avoir tac. Nishka et... D'accord, je m'en
en charge. Gagnons mort de feu, lancelle de feu sur lui. Et normalement, si je fais ça maintenant, tout le monde a ça. Ah, parfait. Impeccable. Hop, on va au moins détruire un golem de l'âme. Hop, 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 mon pote, mon pote, mon pote, mon pote. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Bah, évidemment. Bon, c'est normal, ça. Voilà. Maintenant. Pourquoi mon personnage ne bouge plus? D'accord. Donc je vais reperdre là-dessus. Et l'autre, il fait pas son nom véritable. Mais je vais. Mais pourquoi tu... C'est une blague. J'espère que c'est une blague. Chance de démon, t'as pas un sort. Eh ben voilà. On va te mettre en moins ça. Allez. Allez mon grand. Montre-moi que t'es un magicien. Merci. Pour détruire un ravageur des ombres. Oui, bah c'est pas grâce à toi, Manjiro. Bon, on attend un petit peu. Faut que ça se calme ou il y a encore des ennemis? Faut que je ramasse un truc, peut-être. Fragment d'argent. Ah, ok. Et bah voilà. Fallait juste un petit peu de temps. Fallait juste un peu de temps. Allez hop là. Et j'ai un nouveau fragment d'argent. Alors, l'info. Un autre fragment. Bien. Espérons que c'est le dernier qu'il nous faut. Rapportons-la à la guide, au fort de la croisée. Elle saura si c'est assez pour ce qui nous attend. Super. Allez. On y va. J'ai bien failli crever. Alors, tac. Et je veux que tu me mènes à la cour. Vous revoici. Le ravageur a-t-il répondu à l'appel de son nom? Tout a très bien marché, et nous avons récupéré un fragment sur son cadavre. Puis-je voir? Ah, il manque encore des fragments de la lame. Mais je pense qu'avec celui-ci, nous en avons assez. Assez pour reforger la lame? Comment le savez-vous? Je le sais, c'est tout. Mais les fragments ne suffisent pas. Je ne comprends toujours pas comment la lame a pu se briser. Est-ce en raison de la puissance de l'avatar du roi des ombres? Je n'étais pas là lorsqu'elle s'est brisée. Je n'en sais rien. Si je pouvais, je le ferais. Mais vous avez raison de me le demander. Je parle sans détour, pas comme la guide. J'ai été très pris par ma détention dans les plans inférieurs, après la bataille contre l'avatar. Et depuis lors, je n'ai guère eu le temps de découvrir comment la lame s'est brisée. Mais... un être a eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Quelqu'un qui en sait long sur le roi des ombres. Le roi des ombres a eu maints ennemis. Dans un lointain passé, il a combattu un ancien dragon appelé Nolaloth. Et leur combat a retenti dans les plans. Hélas pour nous, Nolaloth a été vaincu. Il a été abattu, mais son esprit a été emprisonné dans ce royaume par l'Empire d'Ilefarm. Jusqu'à ce qu'on puisse lui rendre la vie. Il était en quelque sorte leur mercenaire.
Mais ni lui ni le Farn n'ont pu donner à l'autre ce qu'il attendait. Nolaloth a été vaincu, et Ilfarn avec lui. Entendu. Nolaloth ne savait pas grand-chose d'autre sur le roi des ombres. En tout cas, c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que les guides nous éclairent sur ce dernier fragment. Le soupçon est une chose que vous connaissez bien, Amon. Sachez que moi aussi, je nourris des soupçons sur les révélations soudaines. Comme ce dragon, qui sort comme de nulle part. Je trouve également que les coïncidences sont une chose rare. Bien souvent, elles dissimulent une vérité tout autre. Amusante notion pour quelqu'un d'aussi aveuglé par ses croyances. Tout ceci me fatigue. En tout cas, cette information est peut-être inutile. La dernière fois que j'ai vu Nolaloth, nous ne nous sommes pas quittés en bons termes. Il a peu de raisons de nous aider, vous comme moi. Je voulais apprendre de lui comment vaincre le roi des ombres. Et Nolaloth voulait plus que ce que je pouvais donner. À ce moment-là. Si ce Nolaloth sait comment la lame a été brisée, c'est une chose qu'il nous faut découvrir. Je peux vous indiquer où trouver Nolaloth, mais le voyage sera des plus périlleux. Jadis, Nolaloth avait de nombreux gardiens. La région où il est enchaîné grouille de dragons rouges. Il est comme une légende pour eux. Et ils font le pèlerinage pour jouir de sa présence. Et peut-être aussi voler les secrets de l'ancien empire d'Ilfarn, où il réside. Je vais indiquer sa position sur votre carte. Et je suis sûr que votre ami Git voudra vous accompagner. Eh ben, on avance. Et c'est pas encore fini, parce qu'il faut aller voir des dragons. C'est parfait, ça. J'aime beaucoup cette notion de... c'est pas fini la vie. Du coup, il faut que je prenne Zweich avec moi. Et ça... Nanishka va bouger. Et bah on y va, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On y va tranquillou. Il y a un petit chat. Oui, le petit chat. Allez, direction la carte du monde. Hop, Nishka, tu laisses ta place à Jive. Et c'est parti!